Les femmes ont le cœur ici dehors. Aïe. Je te dis, c'est vous qui souffrez pour accoucher et c'est encore vous qui êtes capable du pire. Bonjour. Bonjour Monsieur Wamba, c'était bien le sport? Ah oui, parfait. Le climat du village me manque tellement. C'est parfait pour vivre longtemps. Vous êtes ici chez vous. Merci. Comme on dit souvent, quand la femme peut faire le mal, le diable s'assoit, il prend les notes. Aïe. Oui, bonjour. Comment va la maison? Les enfants ont bien dormi? Et les autres? Bien, ce n'est que ce matin que je vais rencontrer le chef. Je suis arrivé hier un peu en retard et il était à Batoufam. Donc, non, c'est pas grave. Je reprends la route dès que j'ai fini avec lui. Ok, bonne journée. Oui, mais les factures du ministère des Travaux ont été payées juste à la fin du mois dernier. Donc il faut déclarer ça rapidement. J'ai laissé les consignes chez la secrétaire. Elle va tout te donner. C'est prioritaire. Le devis que j'ai envoyé est de 37 500 000 francs. Et j'ai vraiment fait l'impossible. Je ne vois même pas ma marge dans cet argent, Monsieur Thio. Vraiment. Non, je ne suis pas à Douala. J'ai voyagé hier après-midi. Est-ce que d'habitude on sait ce genre de choses au téléphone? Je reviens ce soir. Ok, merci. Escroc. Ce genre de choses ne doit pas se produire ici. C'est ce que j'ai dit. Si on laisse ça passer, ça va être le début de tous les écarts. Ces jeunes filles doivent savoir que je vais céder. Bonjour Wamba. Bonjour. Tu as bien voyagé? Tu as encore dormi à l'hôtel, Wamba? Je vois que tu veux avoir des problèmes avec moi. Comment cela, Majesté? Je t'ai donné des terres ici. Qu'est-ce que tu attends pour construire? Et ton père même avait des terres dans ce village. En plus, je t'ai dit que tu avais une chambre ici, si tu arrivais dans le village. Si tu dors encore dans cet hôtel, je fais fermer. C'est compris, Majesté. J'ai vu des gens agglutinés dehors. Qu'est-ce qui se passe? On a découvert abandonné ce matin un nouveau-né au carrefour. C'est inadmissible. Oh là là! C'est donc de ça que la réceptionniste de l'hôtel parlait tout à l'heure. Ah oui. Il faut qu'on me retrouve celle qui a fait ça. Et rapidement. Je veux que tu me retrouves toutes les femmes et surtout les jeunes filles qui étaient ou sont enceintes et qu'on me dise ce que sont devenus leurs enfants. Je veux le rapport dans 2 heures, pas une minute de plus. Tu as déjà pris le petit déjeuner? Oui, Majesté. On m'a réveillé ce matin avec cette histoire. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne savent même pas ce que c'est que d'avoir un enfant.
Quand il faut coucher, ils sont très forts. Mais après, ils fuient leurs responsabilités. Vraiment. Allons discuter d'autre chose. J'ai décidé de mettre de l'accent sur l'éducation de la jeune fille dans ce village. Je crois que ce genre de drame vous donne raison. N'est-ce pas? On ne peut pas être allé à l'école et se comporter comme si on n'a aucune éducation. J'ai donc fait appel à toutes les élites que vous êtes. J'ai entendu votre appel et j'y ai longuement réfléchi. Je propose d'équiper la bibliothèque du lycée de manière scolaire. Et pour les filles qui seront inscrites, nous les élites allons prendre en charge une partie de leur scolarité. Merci beaucoup, c'est déjà très bien pour un début. Majesté, c'est pour votre carburant. Je vous prie de l'accepter. Majesté, toutes les femmes qui ont accouché ce jour-ci ont les enfants. Ce bébé n'est sûrement pas de ce village. C'est déjà ça. Je crois qu'il vient d'un village voisin ou de quelqu'un de passage. Ok, je vais voir ça. Je dois faire appel au service social pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour lui. Il est où cet enfant? Je peux le voir? Bien sûr. Fais venir cet enfant. Wow. Il est beau. Ton maman t'a abandonné? C'est rien. Il y a beaucoup de papas et de mamans ici qui vont prendre soin de toi. Majesté, je vais l'adopter, puisqu'on ne retrouve pas sa maman. On va la retrouver, quel que soit le temps et les moyens. Sauf votre respect. Je suis sérieux. Je vais l'adopter, je le veux. Je suis très sérieux. Je te connais bien, Wamba. Je t'ai vu grandir. Tu as été un peu turbulent, comme tous les enfants à l'adolescence. Tu es devenu un homme responsable et prospère. Je vais te donner cet enfant et j'en reprendrai. Éduque-le comme si c'était mon fils que je te donne à élever. Merci, Majesté. Je vous en fais la promesse. Wamba. Il est très beau. Comment est-ce qu'une femme peut porter une grossesse pendant 9 mois, donner naissance et l'abandonner dans un carrefour? Les femmes sont des diables. Je te dis, maman. Quand je pense qu'il y a des femmes qui marchent partout de toute leur vie à la recherche d'un enfant et ne parviennent pas à concevoir. Ainsi est fait de la vie, maman. Lui, il a de la chance. Je vais l'éduquer comme mon propre fils. Je suis fière de toi, mon fils. Et je sais que ton père aussi, de là où il est très fier de toi, de l'homme que tu es devenu, un homme au grand cœur. Je suis ce que vous avez voulu que je sois, maman.
Dis-moi, comment est-ce que tu vas l'appeler? Je vais lui donner le nom de grand-père. Mon père à moi? Ah oui, maman. Et le nom de papa aussi. Waouh! Nana Wamba! Exactement, maman. Oh, mon fils, je suis contente. Bonjour, Majesté. Bonjour, Madame. Que puis-je faire pour vous? Majesté, excusez-moi de débarquer comme ça, mais j'ai appris qu'un enfant était abandonné sur la place du village. Oui? Désolée, je me présente. Je suis Bertha Kong. Je préside un centre social dans l'arrondissement voisin. Je suis venue voir ça de plus près et si possible, emporter l'enfant. Merci, Madame, mais j'ai déjà trouvé une solution. Excusez-moi, Majesté, mais je peux savoir laquelle? Mon fils Wamba va s'en occuper, ça vous va? Non, Majesté, parce qu'on n'adopte pas un enfant comme ça. Je suis une ONG reconnue par l'État. Ici, l'État, c'est moi! Et je vous ai déjà dit que j'ai trouvé une solution. C'est quoi votre problème? Mon problème est le suivant. Un enfant a été abandonné. Et c'est mon rôle et mon devoir d'en prendre soin. Et si vous voulez l'adopter, il faut suivre quand même la procédure. Madame, si vous ne quittez pas ma chefferie dans les secondes qui suivent, ce sont vos enfants qu'on va devoir adopter. Kiezeko, tu fais quoi derrière moi? La nourriture n'est pas encore prête, ok? Va aider maman Bissa au salon, d'accord? D'accord, maman. Allez, vas-y, mon beau. Maman Bissa, maman m'a dit que j'étais à deux. Ok, attends, j'ai fini la table ici. Je t'ai dit ce que tu vas faire, d'accord? Ok, maman Bissa. Zeko, c'est comme si ton père rentrait. Va l'aider. Wamba, dis-nous, tu es tombée enceinte pendant ton voyage ou quoi? Zeko, amène ta soeur dans la chambre. Allez dormir avec vos frères. C'est quoi cette posture de tribunal que vous prenez là? Est-ce qu'on peut mettre notre mari au tribunal? Ça vaut mieux pour vous. Wamba, ça ne sert à rien de prendre tes heures de grandeur là. Toi et moi on se connaît. Tu ne peux pas débarquer avec un bébé de quelques jours et ne pas nous expliquer ce qui se passe. Nous sommes tes femmes et nous sommes les gardiens de cette maison. Vous ne m'avez même pas laissé placer un mot depuis 30 minutes que je suis là. Vous vous comportez comme si c'était une bête curieuse. Bête? Non, curieux quand même. Écoutez, je viens de passer des heures de route. J'ai eu un voyage éprouvant et ce n'était pas pour avoir cet accueil. On en reparle tout à l'heure. Servez-moi à manger. J'ai faim.
Alors? Cet enfant a été abandonné hier matin dans un carrefour village. Le chef l'a recueilli et je me suis porté garant pour m'en occuper. Mais tu aurais pu nous dire que... Wamba, tu écris déjà les films. Tu crois que je suis en train de raconter un film? Sois un peu sérieuse, hein? Elle veut simplement dire que... Je ne veux rien dire du tout. Wamba, tu nous prends pour des poules? Baisse le ton, s'il te plaît. Ok. Explique-nous donc. C'est comme je vous le dis. Le chef m'a accordé de m'en occuper. De t'en occuper ou d'en faire le tien? Je l'adopte comme mon fils. Et qui va s'en occuper? Vous, bien sûr. C'est votre fils et prenez-le comme tel. Tu t'en vas quand je parle? Mais c'est quel mépris ça? On est où là? Maggie, Lisa. Monsieur. Il est où? Elles sont où? Tout le monde est sorti. J'ai couché le bébé dans la chambre des enfants. Il dort? Oui, monsieur. J'ai acheté une couche jetable et je l'ai changée. Tu peux t'occuper de lui pour aujourd'hui? Ah, c'est que, monsieur... J'ai beaucoup de travail ces jours-ci. Juste pour aujourd'hui. Madame Maggie m'a donné beaucoup de courses à faire toute la journée. Ok, je comprends. C'est pas grave. Merci déjà. De rien, monsieur. Thank you.
C'est qui? C'est moi. Bonjour, Ndale. Tu es perdu. C'est quoi? Tu as accouché? J'ai besoin de ton aide. Pour faire quoi? Garder l'enfant là? Oui. Désolé, j'ai pas le temps. Tu as disparu du jour au lendemain. Ça fait combien de mois? 1, 2, 3, 6 mois. 5 mois. Et tu vois la différence? Tu as fini de me baiser. Et tu réapparais un matin avec un enfant que tu veux que je garde. Écoute comment tu parles. Tu pouvais pas m'envoyer à l'école. Pardon, il faut que tu partes. J'ai rendez-vous avec un homme qui doit me donner de l'argent. Et ton fils, il est où? Attends, c'est une question d'argent? Parce que entre toi et moi, ça a toujours été une question d'argent. Tu penses pas que je t'aimais? Tu penses que je pouvais pas aussi te faire un enfant? Tu as tout fait pour éviter ça. Écoute, je suis désolé d'être parti comme ça. Tu sais, je suis marié. J'ai 2 femmes et en ce moment, ce n'est pas la grande sérénité. Bref, j'ai besoin que tu m'aides. Je veux juste que tu me gardes cet enfant 1 jour ou 2. Juste le temps que je trouve une solution. Tu l'as pris où? Ou bien sa maman te l'a abandonné? C'est une longue histoire. Aide-moi s'il te plaît. Bon. Il faut acheter du lait, des couches et un tas d'autres choses. Merci. Monsieur? Oui. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Le fiscaliste est passé, il a laissé ça. On va s'en sortir. Si vous voulez mon avis, il faut se débrouiller à payer. Il vaut mieux être clean avec l'État que d'avoir un redressement qui va forcément coûter plus cher. Faites, donnez-lui de l'argent. Je n'ai rien à faire ici. Il faut que j'aille mettre la pression sur les gars dans les chantiers. Ce n'est pas en traînant qu'on va faire des bénéfices. Vous revenez ici? Je ne sais pas. Si à 17h je ne suis pas là, vous rentrez. Tu l'as vu? Non. La ménagère dit qu'il est parti avec l'enfant. C'est vraiment bizarre cette histoire de bébé. Hein? Bissa, je connais bien notre mari. Il tâte un peu le terrain. C'est un homme à femme. Et le tout, il s'est calé entre ses mains. Il veut qu'on assume tous. Je veux bien y voir clair. Il n'y a rien de clair à voir là-dedans. Si une petite l'a abandonné avec l'enfant, c'est son problème. Et puis, tu m'as l'air de trembler un peu. Écoute, on n'a pas intérêt à se diviser face à lui. Tu dois rester ferme et faire ce que je te dis. Et n'oublie pas ce que je te dis souvent. On est des coéquipiers. Et pas des ennemis. Voilà. Je me repose un peu avant d'entrer à la cuisine. Il ne faut pas qu'il ait faim malgré tout. Hé,
Ndale. 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 Même le diable ne peut pas t'aider. Pauvre femme. Voilà l'histoire de cet enfant. C'est un très bel acte que vous posez là. N'êtes-vous pas marié? Si, mais c'est un peu délicat. Je veux juste que vous le gardiez un moment. D'accord. Merci. Qu'est-ce que tu as fait de l'enfant? Bonsoir. J'ai soif. Comment était la journée? Maggie, tu pourrais au moins être aussi direct que ta coépouse? Wamba, tu dois nous comprendre. Tu débarques avec un enfant, un bébé de quelques jours. Et tu veux qu'on t'accueille les bras ouverts? Et pourquoi pas? Ce n'est pas un être humain? Même si c'est un enfant que j'avais eu dehors. Vous serez capable de le laisser mourir de faim? Mais ce n'est pas... Ce n'est pas que quoi? Vous me dégoûtez. Et je tiens à vous le dire. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en savez? Vous ne pensez qu'à vos nombrils. Notre mari. Tu as dit que c'est le chef qui te l'a confié, non? On n'a qu'à aller le voir. Il s'agit là de la vie d'un enfant. Et si on doit l'accueillir, on doit le faire une bonne fois pour toutes. Et de tout cœur. Ça ne sert à rien de crier ou de courir. C'est simple, chérie. On n'a pas besoin de s'entretuer pour ça. Si c'est vraiment le chef qui te l'a confié, on n'a qu'à aller au village. Et s'il confirme tes dires, on te promet que Maggie au moins va se ranger. Hein, Maggie? Maggie. C'est tout à fait ça. Ok. Je n'ai aucun problème à cela. S'il vous plaît, la facture. Quoi, Nana?
Mais ne me dis pas que tu partais déjà. Chloé, ça fait 2 heures que je t'attends. J'étais au salon de coiffure. Alors tu veux quoi? Je voulais qu'on passe du temps ensemble, qu'on se fasse plaisir. Quoi? Et c'est dans ce genre d'endroit qu'on va s'amuser? C'était juste pour se retrouver avant d'aller ailleurs, mais tu as tout gâché. Comment ça? C'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Et la réception, c'est dans quelques heures. Je dois y être. On a qu'à y aller ensemble. Pas vêtu comme tu es là. Et de plus, mon père veut que ça se passe entre nous dans la famille. Ok. Moi, je vais rentrer alors. Tu me déposes. Ah, Chloé, comporte-toi un peu. À la famille. À la famille. Je suis... Bonsoir tout le monde. C'est comment? Ça a commencé depuis. Tu as réussi à venir arrêter même à l'anniversaire de papa. C'est la vie. On peut avoir un peu de silence? Désolé. Je disais avant que nous ne soyons interrompus par ceux qui seront en retard, même le jour de leur mort, que je suis heureux d'être entouré de vous. Je suis un homme. Un mari, un père comblé. 61 ans, ce n'est pas donné de nos jours, avec tous ses enfants. Et bientôt, j'espère, de petits-enfants. Ces charmantes épouses, ce n'est vraiment pas donné. Je remercie Dieu tous les jours pour ces jolis cadeaux. Et je remercie chacun de vous d'être là pour moi et avec moi. Je prie le ciel tous les jours pour que cette famille soit encore plus prospère, encore plus nombreuse et encore plus forte, encore et encore. J'ai voulu fêter cet anniversaire avec toute ma famille. Parce que pour moi, c'est une année charnière. Et j'ai besoin d'être avec vous tous. Je vous aime. Dieu vous bénisse infiniment. Merci, chérie. Je te bénis, ma fille. Je te bénis, mon fils. Je te bénis, mon fils. Merci, papa. Je te bénis, ma fille. Je te bénis, mon fils. Merci, papa. Je te bénis, mon fils. Merci, papa. À votre
votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites silence. Notre Benjamin veut nous parler. Je crois qu'il est temps de remettre les cadeaux de mon papounet. J'ai un souci, papa. Non, ma fille, ça va aller. Donnez-moi une minute. Papa, ça va? Oui, ça va. On n'attend plus que toi pour les cadeaux. Tu es sûr que ça va? Oui, Nye, ça va. On ne peut plus faire ça un peu ou quoi? J'arrive. Tu ne devrais pas boire autant d'alcool, papa. Mon fils, je buvais déjà de l'alcool bien avant que la nature ne sache que tu allais exister. Ngom. Oui, papa. Viens là. Je suis vraiment heureux de... Excusez-moi. Je disais que je suis vraiment heureux de vous avoir avec moi. Mais je veux avoir de vos nouvelles. Mzeko. Ça va. L'administration... On gère l'état et on avance petit à petit. Et parlant d'avancer, qu'est-ce que tu vises au juste? Si je finis directeur ou délégué régional, c'est pas mal. Délégué régional, tu fais déjà de la politique? S'il te plaît, papa, la politique ne conditionne pas tout. Et puis, c'est pas tiens que de faire de la politique. Si tu le dis...
Et toi, Tété, les affaires? Ça marche. J'ai de la marchandise en mer et on a 15 jours de retard, c'est énorme. J'ai appelé à Guangzhou et ils m'ont certifié que cela arriverait très vite. Tu fais dans quoi maintenant? Les chaussures pour femmes. Ce n'est pas en faisant dans tout et rien que tu vas faire fortune. Il me reste une année pour terminer avec mon doctorat. C'est en bonne voie. Et comme vous le savez, je donne des cours à l'université. C'est bien. Mais je voudrais que vous vous impliquiez un peu plus dans mes affaires. Parce que je ne vois rien de concret dans tout ce que vous me dites là. Je n'arrête pas de le dire à Nzeko, mais il ne m'écoute pas. Je ne peux pas être au bureau de 8h à 19h, voire plus, et avoir du temps pour autre chose. Je parle là de mon entreprise, de votre responsabilité devant moi et devant l'histoire, de perpétuer cela. Mais papa, tu travailles déjà avec Nana, il me semble qu'il s'en sort bien. Nous pouvons lui apporter l'autre soutien le moment venu. Et selon toi, le moment venu, c'est quand? Vous ne servirez à rien le moment dont tu parles, si vous ne connaissez rien de cette entreprise. Excusez-moi. Ma marchandise est arrivée, il faut que j'aille. Merci pour tout et on se voit. Non, tu ne vas nulle part. Je ne t'ai pas libéré. Et toi, Nye? Je serais heureux de m'impliquer plus. Mais j'ai des aînés et... Et tu attends leur ok? Mais réveille-toi! Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de vous. Et j'attends vos propositions. Moi, j'y vais. J'ai des choses à faire. Écoutez, les gars. Nana se débrouille bien avec le père. Alors, nous n'avons pas besoin de nous impliquer plus que ça. Il tient le bateau à flot et quand le vieux s'en va, de toutes les manières, nous, on va hériter et on gère. Pas vrai? Nzeko, c'est toi l'aîné. Tu dois gérer cette affaire-là. On ne doit pas s'éloigner comme ça des affaires de papa. Tu t'y connais, toi? Alors, on reste tranquille et on regarde faire. Mais les gars, Nana est adoptée. Justement. La gestion des biens sera sûrement l'un entre nous. On le laisse comme gestion des entreprises, un genre de directeur exécutif. Et nous, derrière, on est le conseil d'administration. Par exemple. Mm-hmm. Alors, mec, c'est ta copine? Tu ne nous l'as pas encore présentée. Bien envoyé, grand père. Moi, je rentre. Je dois être au bureau demain à 7h. Laura, on y va? Nous aussi.
Tu me sers un verre d'eau, s'il te plaît. Tu sais où est la cuisine? Tu peux au moins être poli si tu n'as pas envie d'y aller, non? Tu es même quel genre d'homme? Regarde-toi. Même pas un embryon d'ambition. Tu parles de quoi? Je te parle du fait que tu ne t'intéresses en rien à la fortune de ton père. Tout cet argent, cette fortune, tu penses que qui va gérer ça? Tu es l'aîné. Prends tes responsabilités. Mais je suis un fonctionnaire qui a des responsabilités. J'ai une carrière à défendre. Je ne vais pas laisser tomber comme ça du jour au lendemain. Quelle responsabilité? Mais tu as déjà vu un fonctionnaire gagner des millions avec son salaire? Qu'est-ce que tu en sais? Tu comptes sur tes petites relations politiques pour t'en mettre plein la poche? En tout cas, je ne vais pas m'accommoder encore longtemps de ça. Ça veut dire? Moi, Laura, je suis une femme qui a de l'ambition. Et? Si tu n'en as pas, je vais devoir revoir ma position. Imagine que ton père décide de céder la gestion de l'entreprise à quelqu'un d'autre. Même à un de tes frères. Tu es sûr que les choses iront dans ton intérêt? Pense à ça, mon chéri. De l'ambition. Un homme doit en avoir. Sinon, il ne sert à rien. Rien. Arrête. On n'a même pas encore commencé, tu es déjà essoufflé. Ne commence pas, hein. Arrête, s'il te plaît. Je me sens pas très bien. C'est ton problème. Tu devrais voir un médecin. Attends, j'appelle ta maman. Non. Laisse tomber. Ce n'est pas son domaine. Mais il faut quand même l'appeler, il peut au moins... Non. J'ai dit non. Pas lui. C'est juste un coup de fatigue. Il faut que je me repose. J'essaie d'impliquer les enfants dans mes affaires. Mais aucun ne semble avoir le sens de ces choses-là. Ils ne veulent pas te décevoir. La dernière fois que tu leur as fait confiance dans ce sens, ça a été la catastrophe. Bonjour, Madame Siji. Bonjour, Nana. Ça va? Oui, le père m'a demandé, il paraît. Oui, vas-y, il t'attend. D'accord. Non, ce n'est pas un souci. Monsieur Nana sera là. D'ailleurs, j'ai déjà informé le ministre. Avec lui, c'est comme si c'est moi qui suis là. Ok. Merci bien et bonne journée. Alors, ça va? Oui, papa. Arrête un peu avec tes papas, là. Tu es cadre de cette entreprise et tu dois te comporter comme tel.
Appelle-moi, monsieur, si tu veux. Oui, pas. Oui, monsieur. Bien. Tu iras et on devait me représenter à une rencontre du groupement patronal et le ministère du Travail. Mais ça n'existe pas dans l'organigramme. Et justement, je n'ai pas besoin de créer un poste ou de faire une nomination formelle. Ça va attirer l'attention et je n'aime pas ça. Je me sens pas bien. Et il faut bien que quelqu'un prenne les reins et fasse le boulot. Je pourrais te conseiller, mais je préfère que tu apprennes à prendre les décisions tout seul et à les assumer. Merci de la confiance, monsieur. J'espère que tes frères vont se raviser et te soutenir dans cette tâche. Voilà. Tu dois aller contrôler les travaux de mon emprisonnement. Va avec ma voiture. Comme ça, ces gens comprendront que même si je ne suis pas là physiquement, je les vois. D'accord, monsieur. J'ai remarqué que l'autre jour, tu n'es pas venu à la fête d'anniversaire avec ta copine. Pardon? Tu m'as très bien compris. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai une copine. Ce n'est pas du sérieux. Alors, dépêche-toi d'en trouver une. Une vraie. Que tu vas épouser. Comment vas-tu gérer les hommes si tu ne peux gérer un foyer? Bref, je vais voir. Alors, tu ferais mieux de vite voir. Je dois aller rencontrer Maître Essomba. Dépêche-toi. T'as donné quoi à ta discussion l'autre jour avec les enfants? Oui, tu ne nous en as pas parlé du tout.
Je me demande parfois ce que ces enfants ont véritablement pris de moi. Aucun ne s'intéresse aux affaires. Il faut continuer de leur en parler. Je veux manger en paix, s'il vous plaît. Tu devrais voir un médecin. Quand tu seras mort, on ne pourra plus rien faire. La mort est parfois la solution à certains problèmes. Tu as quel problème? Pourquoi tu parles comme ça? Quoi? Parce que tu penses qu'il faut avoir un problème pour parler ainsi? Ok. J'ai seulement demandé. Il faut que tu appelles ta mère. Qu'est-ce qu'il en sait? Il est médecin, non? Parce que tu penses que je ne connais pas de médecin à part lui? Mais il est d'abord ton ami. Il devient de plus en plus désagréable et semble se foutre de sa santé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ton père. Il est malade et il refuse de voir le médecin. Oui, il avait l'air un peu fatigué à son anniversaire, mais il a dit que ce n'était rien. Et tu le crois? Nous sommes ses femmes et on te dit que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Je l'appelle. Ah non, il va encore se défiler. Signé Blaise Option, la pièce unique. Hey, she's a boo.